Johann Zarco, deux titres mondiaux en Moto 2, accède cette année à l'Olympe de la course, le MotoGP. C'est ce champion de venir que je veux suivre avec les éternelles questions. Qu'est-ce que c'est un pilote moto? Je veux voir bouger un peu plus tes fesses pour ceux qui ne bougent pas assez, c'est-à-dire Camille, Jimmy. Ça te remet les pieds sur tes coups. Ah ouais, ça permet toujours de rappeler que tu viens de là. Que le chemin il est long, hein. Donc quand il y est. Tu l'apprécies. Ouais, tu l'apprécies et tu fais en sorte d'y rester. Alors, changement de décor pour cette deuxième partie de Sans Concession avec Bernard Faux. Bernard, on est ici dans l'antre de la fabrication avec ce film, ce fameux film qui, on espère, va sortir à un moment ou à un autre. C'est le film sur Johann Zarco. Alors, la première question, c'est de savoir où en es-tu? Parce que c'est vrai que tu avais commencé avec Johann il y a un petit moment de ça. Et maintenant, où en es-tu? Eh bien, là, il y a 1h27. Le film fera pas plus d'1h30. Mais j'arrive au moment de la fin 2018 et il reste encore 15 minutes pour finir le film, quoi, disons. Mais ça va être fini dans peu de temps. Donc ton film, hein, on est bien d'accord, c'est un film qui sera consacré à 100% et pendant toute sa durée à Johann Zarco. Ah oui, c'est le sujet. On voit l'affiche, l'audace d'un champion. C'est le sujet, c'est un portrait. Et je pensais, c'est un portrait, je pensais d'un champion de venir, puis du coup, c'est aussi un homme en devenir. Mmh. Et c'est ça qui est encore plus intéressant. Comment ça t'est venu, cette idée de suivre Johann Zarco? Alors, il se trouve que, par son manager, Laurent Félon, qui est plus jeune que moi, qui nous a vus courir quand il était gamin, on l'a fait rêver, et donc, de la French Generation, quoi. Je veux dire Fernandez, Bertin, tout le monde. Et quand je l'ai croisé, quand j'ai commencé mon film, je l'ai croisé, il m'a présenté Johann. Et puis quand le film est sorti, Johann a adoré le film, Laurent Félon qui l'a montré à son fils, qui s'est raconté ses rêves de jeunesse, quoi. Donc il y a eu un vrai intérêt, un échange, et j'ai vu que si j'avais l'envie de faire un portrait d'un pilote moderne, parce que justement, par contraste, pour voir l'évolution, qu'est-ce que c'est qu'être un pilote aujourd'hui, d'un seul coup, l'opportunité d'avoir croisé Johann était là. Et puis il se trouvait que je croisais là quelqu'un qui était devenu double champion. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas connu d'être champion du monde. Donc, pour situer le contexte du film, on rentre dans l'histoire de Johann au moment où il est double champion du monde Moto 2 et où il va s'inscrire dans sa première année de MotoGP. C'est à peu près... Non, du tout. Moi, je raconte tout. Si je fais une biographie de quelqu'un, pour moi, c'est dès la naissance. D'accord. Donc, on le suit de ses premiers pas jusqu'à aujourd'hui. On le suit. J'ai très peu d'archives. On a bien compris. Mais par contre, c'était important que je croise sa famille. Et donc, j'ai le témoignage de ses parents qui me racontent l'histoire, comment il a démarré et tout ça. Et pour comprendre quelqu'un, il faut voir d'où il vient. Et justement, alors, qui est Johann Zarco, sans évidemment trop trahir l'esprit du film? Parce qu'on a d'un côté un pilote flamboyant, quelqu'un qui est vraiment attachant aussi humainement. Le contact, comment il s'est fait entre vous, ça s'est bien passé tout de suite, vous avez le feeling est passé rapidement. Qui est Johann Zarco? S'il n'avait pas eu le feeling, il n'y aurait pas le film. Parce que moi, je ne suis pas un producteur qui a l'argent pour payer le pilote pour pouvoir être devant la caméra. Donc, c'était son choix à lui. Il m'a choisi autant que je l'ai choisi, quoi. Mm-hmm. Et ça a pu continuer parce qu'il a trouvé un intérêt dans les conversations qu'on avait. On en revient sur ce que je disais, une conversation entre deux pilotes. En plus, une époque qui l'a intéressé, parce que Johann, il s'est beaucoup penché sur le passé. Il a été éduqué, nourri par Laurent Félon autour de ça, mais ça l'intéressait de savoir qu'est-ce qu'il y avait avant, et pas seulement dans le domaine de la moto, dans le domaine de la musique. Quand on voit quelqu'un qui écoute James Taylor ou Brassens, qui a 28 ans, tu te dis, tiens, il est particulier. J'ai senti que là, il y avait une personnalité qui était différente, qui était singulière. Et puis son deuxième titre, là, m'a bluffé tellement.
Et je me rappelle ce que j'ai dit à la remise des prix, à la conférence, quand il était là, avec Laurent, à la fin 2016. J'ai dit, là, vous, ce que vous avez fait, c'est exceptionnel. Le deuxième titre, vous avez fait le plus dur, le plus casse-gueule. Et comme il a gagné avec vraiment la force, le caractère, ça m'a donné envie, je me dis, tiens, et si je voulais parler d'un faire un portrait, là, j'ai quelqu'un sous la main. Ouais. Et Laurent m'a dit « Ok ». Quand on t'écoute, Bernard, on a l'impression que c'est plus l'homme, finalement, et ce que tu disais, ce que tu as découvert au travers de Johan, que le pilote qui t'a attiré, en fait, c'est ça? Non, les deux. On ne peut pas dissocier. C'est impossible de dissocier. Il y a les résultats bruts, donc là-dessus, ce qu'il avait fait, c'est exceptionnel. Puis après, il y a la manière de le faire. Comme on dit, c'est le style qui fait l'homme. Quand les gens regardent, on a vu Rossi, au-delà de ses titres, sa personnalité, Marquez, encore une autre histoire, Agostini, chacun a une personnalité et les sportifs sont comme des artistes pour moi. Ils créent quelque chose. D'abord, tous les êtres humains créent quelque chose, ils créent leur vie. Quand je l'ai rencontré, quand on a commencé à parler, je me suis dit waouh. Parce que l'idée du film, c'est au départ, parce qu'un film, c'est toujours un point de vue. Et moi, j'ai dit. Ok, j'ai été un pilote à haut niveau, je sais ce que c'est de se battre avec les meilleurs, mais je n'ai pas été champion du monde. Voilà, des tas de raisons trop longues à expliquer. Et donc, je ne sais pas, c'est une question qui me restera jusqu'à la fin de ma vie, c'est quoi être champion du monde? Et d'un seul coup, là, j'ai eu sous la main quelqu'un qui était pilote et double champion. Même qu'une fois, ça aurait été suffisant, mais qui est un pilote exceptionnel et champion du monde. Là, j'ai voulu creuser, et plus je creusais, plus je posais des questions sur lui, il répondait, plus ça me renvoyait à moi. Quoi. Et toi, il y a eu un moment et identification. Oui, et j'ai envie de dire, tu connais Flaubert qui disait Madame Bovary, c'est moi, et je vais dire Zarco, c'est moi. Même si Fellon l'a dit autrement et pour d'autres raisons, je dis, ouais, tout ce que je mets dans le film de Johan, il me l'a donné, mais c'est moi qui le montre, qui retranscrit mon point de vue. Alors, dans ce film, qu'est-ce qui t'a marqué au niveau de son évolution, de son parcours? Parce que entre le premier titre, le deuxième titre de Moto2, le passage en MotoGP, est-ce que tu as senti des différences en tant que pilote, bien évidemment, mais en tant qu'homme, Johan, est-ce qu'il était marqué? Tu vois ce que je veux dire? Comment il appréhendait ces différentes phases de sa carrière? Ah ben, l'histoire, de toute façon, je ne dévoilerai rien, puisque tout le monde a suivi à travers les médias aujourd'hui, c'est plus des scoops. C'est-à-dire que Johan, il s'est construit, quand je dis sur trois ruptures, mais au départ, pour revenir à la genèse, quand j'ai vendu ça au souscripteur ou à la Fédé, je fais un film sur un champion de venir. C'est-à-dire, il est proche de la dernière marche, mais on sait bien que c'est la plus dure, il n'y a pas beaucoup de place, mais va-t-il y arriver? Voilà. Donc, je pensais faire un film sur une année, et puis comme il y a eu des circonstances, il y a eu des imprévus, des obstacles, d'un seul coup, j'ai vu un homme évoluer, et là je me suis dit, mais c'est un homme qui est en plus en train de prendre sa maturité, quoi. Et ça devenait aussi important que le champion. Les deux avançaient de concert, et c'est ça qui m'a plu, quoi. Comment on devient un adulte? Parce que les trois ruptures, à 15 ans, il quitte la maison. Voilà, en 2018, il quitte Fellon. En 2019, il quitte KTM. Et là, heureusement que je n'ai pas fini le film avant la saison KTM, parce que j'aurais manqué quelque chose de fondamental. Tu disais tout à l'heure que tu ne pouvais pas te déplacer sur toutes les courses, etc. Comment ça se passait justement? Est-ce qu'il revenait spontanément vers toi pour, entre guillemets, débriefer en disant, bah tiens, vous reparliez des courses? Comment il se livrait à toi et comment vous travaillez? Non, ça, le film a le raconté, ça a été un parcours de combattant. Johan était disponible, mais pendant un moment, il y a eu Laurent Fellon qui décidait. Jusqu'au jour, il a dit non. D'accord. Il a dit non sur le tournage. Le tournage. D'accord. Oui. Donc ça s'est arrêté? Ça s'est arrêté et c'est Johan qui a dit moi, je reprends. Continue. D'accord. Ok. Tu l'as senti comment à ce moment-là, Johan? Il était. Tu dis, tu as vu également l'éclosion d'un homme.
Ça jouait aussi sur lui, cette séparation qui n'a pas dû être facile. On va grossir le trait, mais il tuait presque le père en se séparant. Tu vois ce que je veux dire par rapport à, tout cas, son père sportif, on va dire. Tu vois ce que, comment je veux dire. Je me permets une petite aparté. L'expression tuer le père est la plus mauvaise qu'on puisse sortir. Même si elle est plus ou moins freudienne, là, parce que de s'émanciper, c'est pas tuer celui qui a été à la base. Ouais. C'est de dire, je te remercie de tout ce que tu as fait, que ce soit un fils à son père ou à son manager, mais maintenant, je veux voler mes propres ailes, j'ai grandi, je n'oublie pas, je te remercie, je te dois tout ça, mais maintenant, je veux vivre ma vie. Mmh. Ouais, mais là, dans ce que tu dis, on n'a pas l'impression que ça s'est passé aussi sereinement. Ah non, mais je dis que... Mmh. C'est l'expression qui n'est pas bonne. D'accord. Et ça peut être en effet vécu par celui qui est abandonné, entre guillemets, comme un meurtre. Tu dis, mais non, c'est le sens de la vie. Mais c'était inévitable. Il y a un moment, les chemins doivent se séparer et avec plus ou moins de bonheur. Mmh. Tu connais le Stone, Bernard ? Je connais Richard Halmec qui a débuté. Précurseur avant l'heure. J'ai vécu le début. Voilà. Donc, mais je n'ai pas suivi toute l'évolution. Ouais. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on va faire une petite pause par rapport à toute cette discussion très intéressante autour du film consacré à Johann Zarco. Et on va visionner ce petit reportage sur le stunt. Bernard, on revient à ce sujet et ce film Johann Zarco, l'audace d'un champion. Tu disais tout à l'heure, il manquait à peu près 3 minutes dans le film. Pour toi, il sera terminé à quel moment ? La maquette va être terminée dans peu de temps, c'est-à-dire quand je dis en peu de temps, dans 15 jours. Donc après, il faut que je le projette aux gens concernés. Donc Johann. Donc Johann, évidemment, en premier lieu. Et puis après, le montrer à Canal+, parce que ce serait une logique que ce soit eux qui le diffusent. Bon, si ce n'est pas le cas, peut-être j'irai voir Netflix, Amazon, parce qu'aujourd'hui, c'est des lieux qui montent très fort et qui ont besoin de films. Et puis, il y a tous le DVD, comme le film précédent. Le DVD qui est en train de mourir, il se trouve qu'on est dans une niche des passionnés de la moto, qui veulent avoir un peu l'objet à l'ancienne, et puis surtout qu'on participait. Je dois dire que ce film se fait grâce aux souscripteurs, à la fédération. Dernière question, Bernard. Cette saison 2019, comment tu l'as vécu entre les déboires de Johann, qui était, en bas de l'échelle, et l'explosion de Fabio Quartararo? Comment tu as réussi à trouver un équilibre entre ces deux Français dans tout le contexte du championnat du monde? Ça t'a sensibilisé par rapport, entre guillemets, au côté un peu, j'allais dire, malheureux de Johann et de sa situation, et d'un autre côté, la satisfaction de voir un nouveau Français éclore? Je n'aurais jamais misé que Quartararo ferait ça, personne. Bon. De loin, j'entendais que c'était un pilote talentueux et il faut l'aide pour gagner déjà même en moto 2. De là à exploser, c'est juste les miracles de la course et l'opportunité. Et si ça pouvait se reproduire plus souvent, ça serait bien. Donc, quant à Johann, lui, c'est l'inverse. Il était en haut il y a un an. Mais en même temps, ça fait partie peut-être de son chemin. Il était en haut, il est descendu au plus bas. Plus bas, il y a toujours plus bas, on voit. Ouais. Mais disons qu'en tant que sportif, dans ses résultats, et en même temps, c'est toujours dans la difficulté qu'un homme, qu'un sportif se mesure. Et je trouve que tout ce qu'il a fait, ça correspondait à ce que j'attendais, à ce que j'imaginais de lui, parce que j'avais un peu deviné. J'ai l'audace. L'audace, pour moi, c'est l'intuition plus le courage. Donc c'est un beau sentiment, être audacieux. Il faut réunir ces deux qualités-là. Et je sentais des choses qui ne m'ont pas étonné, qui allaient se passer. Par contre, maintenant il s'affirme en ayant fait des choix.
Et j'espère, et en tout cas, c'est en train de lui donner raison, parce que il est parti pour avoir une bonne moto, quand même. Et c'était pas gagné il n'y a pas longtemps. Ouais. Dernière interview que j'ai fait avec lui. Mais c'est vraiment audacieux. Ouais, ça, c'est magnifique. Ouais. Audacieux, c'est le mot qui caractérise selon toi le mieux, Johan ? Ah ben là, aujourd'hui, j'ai envie de dire, oui, il a... quand je dis l'audace, c'est l'intuition plus le courage. Il a montré qu'il était courageux, parce que pour son parcours. Là, aujourd'hui, il éclate comme audacieux, c'est-à-dire avec ses ruptures. Les gens n'ont pas compris, un peu, ont été choqués qu'il puisse dire non à une usine avec l'argent que ça présente. Mais moi, je dis, mais c'est normal. Je le savais depuis le début qu'il ne ferait pas les 2 années. Enfin, je dis, c'est pas possible. Il ne peut pas accepter cette situation. Et donc, c'est un peu le bon sens. Mais des fois, le bon sens, pour l'affirmer, il faut être très, très couillu, là, pour le coup. Parce que il n'y avait rien. On sait ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on trouve. Mais à un moment, c'était plus possible. Et après, à Seine, c'était évident. Quand je vois à Seine, l'abandonne, j'ai là, c'est foutu. Il est au bout, là. Bernard, en tout cas, merci de nous avoir reçus. Et puis, j'espère qu'on pourra suivre ça très, très, très rapidement et très vite. Avant, pour merci d'être venu et de ce reportage, je vais quand même vous montrer le début du film. Johan aura bientôt 30 ans. Il est coureur de moto sur piste et depuis 16 ans, il court avec une idée fixe, devenir le meilleur du monde. Aujourd'hui, tout proche du sommet, il sait que les derniers mètres seront les plus difficiles. Je suis au monde. J'espère que cette émission vous a plu et que, comme moi, vous attendez avec impatience justement la sortie du film de Bernard Faux sur Johan Zarco. Eh bien, en attendant cette sortie, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Sans Concession.